d'aujourd'hui, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous faire des French sur ça, comme vous pouvez le voir. J'espère que ça vous plaira. Donc, on va commencer tout de suite. Sur mon noir, je vais faire une French blanche. Donc, je vais vous faire voir mes French à la main et mes French au scotch. Donc, tout d'abord, à la main sur le noir. Donc voilà, c'est vraiment pas raté, j'ai bien fait en plus. Voilà, donc voici ma French blanche sur mon ongle noir. Vraiment pas raté, ça va, elle est beau, je trouve, un peu trop gros, je crois, mais ça peut aller. Ensuite, sur mon ongle vert, une French noire justement. Là, je me l'avais fait hier en fait, donc là c'est au si à la main. J'ai vraiment des fringues trop grosses. Voilà, elle est vraiment trop grosse. Vraiment loupée, on va dire. Mais bon, c'est comme ça, c'est un petit peu pour m'amuser, hein. Motion, ça pourrait aller, faut juste que j'ai fait un peu plus petite. Je vais réessayer sur un autre ongle. Je vais prendre quelques couleurs pour mon ongle marron. Le violet. Après là, c'est pas la plus belle couleur que je fais. Vous voyez, en fait, c'est juste pour tester. Je vais essayer d'en faire une vraiment très petite. Ah, nickel, je crois. Trop bien faite. Voici sur mon ongle marron ma French. Je l'ai trop bien fait. C'est juste la couleur en fait qui est moche. Donc voilà. Ensuite, je vais faire un long trait. Je vais essayer de faire un beau trait sur un ongle beau marron paillette. Je crois que je vais prendre du bleu. Voilà. Voilà. C'est vraiment moche. C'est mon ongle marron là, comme vous pouvez le voir, le trait bleu, c'est vraiment trop moche. Je vais essayer de faire. Faire quoi? Je pourrais faire quoi maintenant? Des trucs avec du scotch. Voilà. Ah, mon ongle! Sur un ongle bleu, je vais essayer de faire ça. Donc, mets du orange. Du orange sur du bleu. C'est fort ce que j'ai fait. Ce sera très moche. Comme d'habitude. Et après, comme tout ce que je fais est moche, on connaît déjà la réponse. Est-ce que c'est beau ou moche? Très beau, très beau, très beau. L'orange, je vois pas trop, donc j'en ai vraiment beaucoup. C'est un pamplemousse. Enlever le bout de scotch si j'y arrive. Oh, ça va, c'est pas si quand même. Sur le bleu, je fais un trait orange, c'est pas très très moche, mais quand même. Maintenant, je vais faire des points sur un ongle rose, mais du noir. J'aime.
Voici le résultat de mes points. C'est vraiment pas très très moche. Un peu quoi. Non, ça va. C'est pas moche. Sur un ongle violet, je vais faire quoi? Faire quoi? Désolé. Paillettes. Mettre des belles petites paillettes qui font très jolies quand je me fais une French blanche. Je mets ces paillettes derrière. Ça fait trop trop beau. Donc c'est un petit vernis paillettes Barbie. Mais ça marche très bien. Il est très beau. Moi j'aime bien, c'est faire une French blanche et en mettre juste un peu derrière. Ça fait trop beau. Donc sur le violet, là, comme vous pouvez le voir, il y a des petites paillettes. C'est trop trop beau. Ensuite, bah comme là j'ai fait une French noire et blanc, je mets des petites paillettes par derrière sur le noir. Et vous allez voir, ça va faire très très beau. Voilà, donc vous vous souvenez, l'ongle noir et la French blanche que j'avais fait, j'ai mis des petites paillettes derrière et ça fait très très beau. Donc je vais vous refaire voir ça tout de suite. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai mis un petit peu de paillettes là derrière, blanche. Je trouve que ça fait très joli. Je vais me le faire parce que j'ai plus de vernis. Donc voilà. Bon, sur du rose. Ah! Sur du rose. Je pourrais faire quoi? Là, vous voyez, j'ai besoin de blanc. Merde. Excusez-moi pour le mot. Donc. De blanc. J'ai besoin aussi de noir. Voilà. Alors sur l'ongle rose que vous avez vu tout à l'heure, je fais ça. Et à côté, ça, des petits points comme ça. Et rose, là, le noir et blanc. C'est vraiment moche. Je vois quoi, ça va. Je vais faire un dégradé. Je vais essayer de faire un dégradé. Ce qui va ressembler à n'importe quoi. Comme d'habitude. Alors, un dégradé, je sais pas quelle couleur faire sur mon dégradé. Je crois que je vais faire orange. Non. Marron, noir et blanc. Je trouve que c'est vraiment des belles couleurs qui sont ensemble. Donc, tout d'abord, j'applique mon marron. Noir. Marron, je remets un peu de marron et enfin mon blanc qui va, voilà, qu'il faut que je me dépêche à appliquer du blanc. Donc voilà, je recommence. Blanc.
Marron. Noir. Et c'est parti. Je prends un ongle. J'y vais. Voilà. Je vais vous faire voir le résultat. Attendez, je referme tout. Suis vraiment paniquée. Ah merde! Ah mais putain! C'est vraiment très beau. J'aime bien comment j'ai fait ce dégradé de marron, noir et blanc. Vous voyez, moche. C'est vraiment très beau. C'est juste une éponge comme ça. Éponge qui me sert beaucoup quand même depuis aujourd'hui. Voilà. Donc voilà. Ensuite, je vais faire mon gros blanc. Ensuite, sur un ongle violet, j'ai fait ça. Un point. J'aime beaucoup cette couleur. Donc, ben voilà, non, c'est pas encore terminé. Je me suis pris un gros. Et oui, j'ai utilisé mon vernis grenadine. Voilà. Sur du blanc. Et voilà quoi donc. Voilà, les amis. Mes amours, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous. Il y a des trucs où c'est vraiment très moche. Mais voilà quoi. C'est un peu pour vous faire voir des choses que je sais faire. Mais des moments en mieux. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Je vous fais d'énormes bisous. Bisous. Abonnez-vous, cliquez sur j'aime. Au revoir, mes amours.